Bon, les jeunes, est-ce que vous avez envie de voir encore vos youtubeuses préférées? Ouais? D'accord, très bien. Alors, je vais vous demander d'accueillir comme il se doit Gloria! Eh ouais, Gloria, elle est là, elle arrive! La belle et ravissante Gloria! Elle est là! Ah ouais, 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 ouais! Eh, c'est bon ça! Elle fait des tacs! Applaudissements pour Gloria! Salut Gloria, ça va? T'as la forme? Alors tu peux t'installer, tu peux t'installer. J'aimerais également que vous fassiez du bruit, s'il vous plaît, pour Clara Chanel! Hey! Salut Clara Chanel! La forme? Très bien, hey, la classe! J'aimerais également que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour The Doll Body! Ah là là, regardez-moi, elle est là, elle est là, elle est là. Hey. Salut, ça va? Très bien. On peut faire du bruit également pour Style Tonic. Ouais, Style Tonic. Ah, c'est ah ouais, avec la GoPro là, la GoPro. Salut Style Tonic. On a également, mesdames, messieurs, Chloé B. Chloé B, Chloé B, elle est là. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Salut Chloé B. Hello. Ça va? La forme? Très bien. On a également Anna RBR. Elle arrive. Oh là là, Anna RBR, mesdames, messieurs. Salut Anna. Salut. Et on a... Alors lui, j'ai du mal à le prononcer. On a... Tic Boti, j'ai bien dit ou pas là? Ça va, ça passe? J'arrive pas à le dire. Tic, j'arrive pas. La classe, applaudissements pour elle. Salut, ça va? Eh ouais, alors, vous pouvez même vous asseoir. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Ce qui va se passer va être énorme. Je vous le dis, ça va être un truc de dingue. Vraiment, regardez bien. Je vais demander maintenant à un jeune homme de venir. Alors, j'aimerais que vraiment, que vous l'encouragiez bien fort. Il s'appelle Mehdi Illusion. Mehdi Illusion. Mehdi Illusion. Il est là. Il est là. Salut Mehdi. On peut l'applaudir bien fort. Salut Mehdi. Bonjour la Cat Beauty. Bonjour. Ah, et juste avant, on a, j'ai oublié encore une youtubeuse. C'est So Urban Girl, mesdames, messieurs. Elle est là, elle est là. J'ai oublié. Je vais la chercher. Je vais la chercher. Venez, venez, mademoiselle. Je suis désolé, je vous ai oublié. Allez-y, installez-vous. Parfait, je te laisse le relais. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance. Alors je me présente, je m'appelle Mehdi. Je suis hypnotiseur et mentaliste. Et les filles m'ont invité pour être hypnotisée et être mentalisée. Ça va les filles? Alors, je vais leur passer un micro pour voir si elles vont bien. Tatiana, dis-nous comment ça va. Ça va très bien. T'as vu le monde? Waouh. Ouais. Ah. Juste un petit coucou. Bonsoir. Hi, bitches. Coucou. What's up, girl? What's up tout le monde? Salut, salut! Hello! Merci. Alors les filles, vous m'avez invité pour que je vous mentalise et pour que je vous hypnotise. Est-ce que vous voulez voir de l'hypnose? Alors, je vais demander à Tatiana si elle veut bien venir. Tatiana? Tatiana, comment ça va? Je vais demander de me serrer la main, s'il te plaît. Et tout simplement, maman, maman. Oh, tout simplement. Et tu passes dans un état d'inconscience totale et tu te sens véritablement bien, Tatiana. Complètement apaisée et complètement détendue.
et tu tiens en équilibre sur tes deux jambes. Et tu te sens véritablement bien, Tatiana. Tellement bien, tu vas pouvoir te présenter bien fort avec le public, leur faire un petit coucou. Et quand je te dirai le mot maman, tu repartiras tout de suite dans cet état d'inconscience, dans cet état de bien-être et de joie. Tu restes comme ça en équilibre, Tatiana. Anna, est-ce que tu peux bien passer le micro qui est juste derrière, s'il te plaît? Je te remercie. Et 1, 2, 3, Tatiana, tu te réveilles. Bonjour. Tatiana, maman. Super, Tatiana, tu te débrouilles super bien. Tatiana, je veux t'imaginer un grand tableau noir, le plus grand qui puisse exister. Et tu as les chiffres allant de 1 jusqu'à 10 sur ce tableau noir. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, et le 8, et le 9, et le 10. Et pouf, il y en a un qui disparaît, tout simplement, sorti de ton esprit. Et c'est complètement le 7 qui a complètement disparu. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Et ça a toujours été comme ça, Tatiana. Depuis ta plus tendre enfance, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, tu te réveilles, Tatiana, en pleine forme. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Elle est bien, Tatiana. Ouais! Tatiana, je vais te demander de compter, s'il te plaît, tes doigts tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Tu as 11 doigts, Tatiana? Non, j'en ai 10. T'en as 10? Ouais. Recompte tes doigts, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Alors, Tatiana, je vais te poser une question. Blanche-Neige, il est combien de nains? Il y a combien de nains dans Blanche-Neige? 7. Ouais, tu t'en rappelles, Tatiana, et pouf, il part tout simplement, complètement disparu. Tant que je l'ai dans la main, tu ne peux pas le dire, ce chiffre. 3 plus 4, 6. Il est là. 3 plus 4, 6. On peut applaudir, Tatiana, 3 plus 4, 6 quand même. Tatiana, je te le rends tout simplement. 7. 7 ouais. Ouais, regarde. Si je fais ça, j'ai ton prénom dans la main, Tatiana. Comment tu t'appelles? T'arrives pas à le dire? Non. Regarde, il est juste là. Tu veux que je te le rende? Ouais. Ouais, je te le rends tout simplement, Tatiana. Non, Tatiana. Bah oui, je sais. Ah oui. On va aller plus loin, d'accord? On va aller beaucoup plus loin, ok? Ok. Est-ce que tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Ouais. Tatiana, t'appuies très très fort sur cette main, très très fort, très très fort. Maman dort maintenant, dort. Complètement détendue et complètement apaisée. Et tu te sens véritablement bien, Tatiana. Et tu t'aperçois que tu ne parles plus le français, Tatiana. Tu parles d'une langue étrangère, une langue que tu as complètement inventée. Et tu vas faire une présentation de ta chaîne à tout le monde ici. À tes abonnés et aussi à tous ceux qui ne sont pas abonnés. Donc tu vas devoir leur présenter ta chaîne, mais dans une langue complètement étrangère, Tatiana. Et tout le monde normalement te comprendra parce que c'est ta propre langue. Et je vais te réveiller à 3 et donc tu parleras une langue étrangère. Et 1, 2, 3, tu te réveilles maintenant, Tatiana. Super, Tatiana, tu te sens véritablement bien. Est-ce que tu peux te présenter ta chaîne? Hello, my name is Tatiana. My channel is Tinkabi Beauty. Et là, c'est carrément plus l'anglais qui disparaît. Tu parles une langue complètement que tu connais même pas, une langue étrangère maintenant. Ça bloque. Tatiana, regarde-moi, maman, tout simplement. Et hop, tu repars dans un état d'inconscience, Tatiana. Et dans un instant, quand tu vas te réveiller, tu vas voir que tes pieds sont complètement bloqués dans le sol. C'est comme si tu t'étais enraciné, comme si tu étais un arbre. Tes pieds sont complètement enfoncés. Et pas maintenant, parce que tu vas pouvoir décontracter tes pieds, te mettre sur tes deux pieds, et poum, ça s'enfonce encore et encore. Maintenant, tu es comme un arbre enfoncé. Et plus tu vas essayer de bouger tes pieds, moins ce sera possible, Tatiana. Et 1, 2, 3, tu te réveilles. Tatiana, essaye de te déplacer. Allez, viens, Tatiana. Tatiana, viens. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à les bouger. Alors, touche le bout de mon nez, tu pourras te bouger. Là, juste là. Là. Vas-y, là. Ouais, ça se débloque. On peut l'applaudir bien fort, Tatiana. Tu peux aller t'asseoir, je te remercie. Alors, je vais demander à Clara si elle veut bien se lever. On peut l'applaudir. Ça va, Clara? Oui. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est stressée, je crois. Ok, t'es prêt à vivre des expériences, Tatiana? Clara, oui, c'est oui. Moi qui bug, tu vois. Alors, je vais demander, si tu peux me tenir ça, de suivre juste mes doigts. Voilà, suis mes doigts, et tu te détends, et tu dors maintenant, dors. Complètement détendu, complètement apaisé. Et tu te sens véritablement bien, Clara. Tellement bien que tu veux rester dans cet état. Et tu l'approfondis encore et encore, à tel point que tu te sens encore mieux en mieux, de plus en plus. Super. Encore, plus à l'intérieur de toi-même, super, tu te débrouilles super bien. Très bien, dans un instant, quand je vais te réveiller, on va faire un jeu. Quand je te dirai pause, ton corps est complètement bloqué, complètement figé. Tu n'entends même pas le mot pause, mais ton corps sait qu'il doit se bloquer et se figer. Tu ne vois plus rien. Et quand je dis play, tout reprend là où ça s'est arrêté.
Pourtant, entre pause et play, il ne s'est strictement rien passé. Mais tu te sens bien. Très, très bien. Je vais te réveiller à 3. Et quand je dis pause, tu es complètement bloqué. Et quand je dis play, tout reprend où ça s'est arrêté. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et 1, 2, 3, tu te réveilles maintenant. Super. Ça va? Je te laisse le micro. Très bien. Regarde, je vais te faire un tour de magie. Je vais disparaître. Je vais me téléporter. Non, je te jure, regarde-moi, regarde-moi. Pause! Play! T'as vu? Pause! Les filles, si vous pouvez l'entourer, tous, on l'entoure, on l'entoure, on l'entoure. Play! Ça va? Ouais. T'as vu ce que je suis capable de faire? Regarde, regarde ce que t'as dans la main, regarde. Pause. Play. Je te le rends, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Regarde-moi maintenant. Regarde, appuie très très fort sur cette main, très très fort, très très fort, très très fort. Encore. Dors maintenant, dors. Complètement détendu et complètement apaisé. Tu te débrouilles super bien. Tout s'arrête maintenant. Tu te rappelles de tout. Tu peux même en rigoler maintenant. Tu te rappelles de tout. Tout remonte dans ta tête. Ouais, tu rigoles. Super, très bien. Maintenant, quand tu vas te réveiller, tu vas parler le chinois. Dès qu'on va te poser une question, tu répondras en chinois. Mais ton propre chinois, ton chinois à toi. Et c'est complètement normal. Dès qu'on te pose une question, tu réponds tout simplement en chinois. Et tu te sens véritablement bien. Et 1, 2, 3, tu te réveilles maintenant. Ouais. Ça va? Est-ce qu'on peut faire une petite interview? Ok. Viens, viens, est-ce que tu as une question à poser à Clara? Ça va, Clara? Ouais, j'ai... Et si tu avais un mot à dire à tes abonnés, là, maintenant, tout de suite, ça serait quoi? Wesh alors. Wesh alors. Elle nous fait du wesh alors. Tu peux me décrire ta chaîne? C'est pas chiant. Ok, ok. Tu fais plein de vidéos, donc. Ta vidéo préférée, c'est quoi? Bonjour. Ok, super. Ouais, ça va. Est-ce que tu peux me chanter une chanson, une souris verte, tiens? Une souris verte, tu connais? Ouais. Je comprends pas. Tiana. Mm-hmm. Une souris verte. Tiana. Et ça s'arrête maintenant, ça s'arrête maintenant. Tout s'arrête. Et là, tu te rappelles de tout ce qui vient de se passer. Regarde, regarde, ça monte. Et ouais, on peut l'applaudir bien fort. Super, assieds-toi. Gloria. Gloria, ça va? Ça va. Cool? Oui. Prêt à partir? Ouais. Dans un monde imaginaire? Et de bien-être? Ok. Merci. Tu vas appuyer très très fort sur cette main, le plus fort possible, et tu dors maintenant. Dors. Dors. Complètement détendu et complètement apaisé. Tu te sens véritablement bien. Tellement bien que tu vas tenir juste sur tes deux jambes en plein équilibre et tu te détends encore plus. Tu descends à l'intérieur de toi-même. Super. Tout simplement. Encore et encore à l'intérieur de toi-même et tu tiens en équilibre sur tes deux jambes. Très très bien. En équilibre sur tes deux jambes. Très bien, je vais demander, dans un instant, tu n'auras qu'une envie, c'est dès que tu entends une musique, c'est de danser, dès que tu entends cette musique. Écoute, il va y avoir une musique, dès que tu l'entends, à chaque fois que tu l'entendras, tu n'auras qu'une envie, c'est de danser. On attend la musique. Tu vois, là, ça commence à monter, là, bam. Et tu te lâches de plus en plus. Encore, tu peux bouger les bras, les pieds. Et pareil, ça agit tout simplement sur toi maintenant. Dès que t'entends cette musique, t'as qu'une envie de danser, tu peux pas t'en empêcher. Boum. Regarde, regarde, tu peux pas t'en empêcher, tout simplement. Et ouais. Et c'est plus fort que toi. Boum. Toi aussi, t'as qu'une envie, c'est de danser tout simplement. Dès que t'entends cette musique, tu peux pas résister, vous pouvez pas. À chaque fois que vous allez l'entendre, vous allez vous mettre à danser et encore plus. Et ça s'arrête maintenant. Vous pouvez aller vous asseoir. Tu peux te réveiller, Gloria. C'est pareil, tu peux aller t'asseoir. Tu peux aller t'asseoir. La musique, s'il vous plaît.
et ça monte, et vous voulez que danser, vous voulez monter là, venez, venez, allez chez vous. Et ça monte encore et encore, vous pouvez pas vous empêcher, vous avez qu'une envie, c'est de vous lever. Ah, veut danser là. Qu'est-ce qui se passe, Gloria? Tu fais que danser? Bah, lève-toi, viens. Si, ça monte, regarde, tu peux pas t'en empêcher. Ouais. Clara, c'est pareil, debout. Et puis maintenant, allez. Et stop, ça s'arrête. Vous pouvez aller vous rasseoir tranquillement, vous pouvez aller vous rasseoir. On peut les applaudir bien fort, merci. Super, ça va? Ça va, ça va. Ça va, ça va? Tatiana, tu peux venir s'il te plaît? Tatiana a un rêve, et je vais vous l'expliquer dans un instant, mais avant on va la mettre dans un état hypnotique, avant qu'elle comprenne ce qui lui arrive. Ok? Donne-moi tes deux mains, regarde-moi, regarde-moi. Je vais tirer sur l'une des deux, d'après toi laquelle? Et tu dors maintenant, dors. Complètement apaisé et complètement détendu. Encore plus dans cet état d'inconscience, tu descends encore plus à l'intérieur de toi-même. Beaucoup plus profond maintenant. Encore plus intensément, 100 fois plus. Maintenant, tout ce que je vais dire sera pour toi une nouvelle réalité. Ton imaginaire va créer une nouvelle réalité. Ce sera vrai, tu verras les choses comme elles sont, comme ton imaginaire l'imagine. Dans un instant, je ne serai plus là. Ce ne sera plus moi sur scène. Quelqu'un va monter sur scène à ma place, qui aura pris mon corps. Je n'existerai plus. Ce sera Selena Gomez. Je serai tout simplement Selena Gomez. Tu pourras me serrer dans tes bras, prendre des photos avec moi. Mais je ne suis plus Mehdi, je suis Selena Gomez. Et j'ai été invité par Josh, qui m'a invité à venir ici, à la Get Beauty, pour toi, pour venir te voir, Tatiana, rien que pour toi. Est-ce que c'est clair? Fais-moi un oui de la tête si tu as bien compris. Je n'existe plus, Tatiana. À trois, je vais demander d'ouvrir les yeux. Il y a quelqu'un qui va monter sur scène et c'est Selena Gomez. Pour l'instant, tu restes dans cette position. Tu te sens véritablement bien. Et un, deux, trois, tu ouvres les yeux maintenant. Tu veux une photo? I speak French, you know? Oh. Are you happy? Yes? Yes? J'ai une tournée. Veux-tu venir avec oui, moi? Oui oui oui. Oui, 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 oui. Maintenant? Oui? Oui. Oui. Go? Bye. Ça s'arrête maintenant, ça s'arrête maintenant. Oh là là, la pauvre, elle va revenir sur terre là. Et tu te rappelles de tout, Tatiana, ça remonte maintenant. Oh ouais. C'est nul. On peut l'applaudir bien fort, merci. Tu peux t'asseoir. Très bien. Alors vous demandez, les autres filles, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors on va voir si elle se laisse aller. Parce qu'en état d'hypnose, il faut se laisser aller. On est tous réceptifs, mais ça dépend si on a envie de se laisser aller, si on a envie d'expérience ou non, et on va essayer avec les filles. Je vais vous demander d'ancrer vos deux pieds sur le sol, s'il vous plaît. Voilà, super. Toutes. Vous allez tendre vos deux mains comme ceci. OK. Vous allez les croiser. Je vois qu'il y en a qui essayent aussi. Lâchez-vous. Hein. Vous allez vous mettre comme ça. Vous allez écarter vos index, tout simplement. Vous écartez vos index. Vous regardez juste l'espace qui est entre vos doigts. Vous fixez cet espace. Et vous allez le sentir maintenant, vous allez sentir un aimant de chaque côté des doigts. Et ces aimants vont faire que vos doigts vont se rapprocher encore et encore, de mieux en mieux et de plus en plus. Et à tel point que quand vos doigts vont se toucher, ils vont tout simplement se coller et se sceller, se souder ensemble comme si qu'ils ne faisaient plus qu'un. Je vais décompter de 5 jusqu'à 0. Et à 0, vos doigts seront complètement collés, scellés, soudés ensemble. 5, ça devient de plus en plus fort. Cette colle coule instantanément et vos doigts sèchent maintenant complètement collés. 4, deux fois plus intense, deux fois plus fort. 3, à tel point que même si vous essayez de bouger vos doigts, il est impossible de les bouger. Plus vous allez essayer, plus ça devient difficile, plus vos doigts sont collés ensemble. 3, 2, 1, complètement scellé. Plus vous essayez, plus il est impossible. Essayez de décoller vos doigts. Essayez, essayez, si vous y arrivez. Vous pouvez relâcher vos mains. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vos doigts sont collés ensemble, tout simplement collés.
Si vous arrivez à les détacher, détachez-les. Ceux qui arrivent, ceux qui n'arrivent pas, vos doigts sont complètement collés. Tant que je n'ai pas dit le mot stop, ça restera collé. Je peux partir d'ici, les laisser coller si j'ai envie toute la journée. Pour relâcher. Stop ! Ça se décolle, ça se décolle, ça se décolle. Décollez vos doigts, décollez. Alors, il y en a une, vous voyez, elle est complètement dans ses doigts. Je ne sais pas si vous voyez Clara. Clara, elle est collée. Ah, Marwa aussi est collée. Ah, ça s'est décollé. On relâche, on relâche. Ça veut pas ? Ça veut pas relâcher ? Ok, pouf. Et voilà. Ok. Alors là, ce que je vais vous proposer, c'est un peu de mentalisme, un peu de lecture de pensée. J'aimerais que tu viennes. Je vais te passer un micro. Le micro. Je te remercie. Mentalisme. Je vais lire dans tes pensées. Parfait. J'espère que tu n'as pas des choses bizarres. Hein. Ouais, j'espère aussi. Non, non, ok. Alors, regarde ce que j'ai ramené. J'ai ramené un livre. Parfait. J'ai pris un livre pour essayer de voir si tout le monde connaît. Ça s'appelle Les Misérables de Victor Hugo. Tu connais ce livre ? Ouais, je l'ai lu au collège. Tu l'as lu au collège ? Ouais. Oh, bah, très bien, alors tu vas être attaché à lui. Oui, très. Très, ah, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lire tes pensées, ok ? Avec ce livre. Avec ce livre. Pour d'accord. Pas te forcer un mot, tu vas choisir un mot vraiment au hasard dans le livre. C'est toi qui vas me dire stop. Stop. Ici ou ailleurs ? On peut changer de page si t'as envie. Non, non, ici, c'est bon ? C'est bien. Tu vas regarder le premier mot de la première page ? Oui. Tu l'as ? Oui. En entier ? Oui. Ok. Juste, tu y penses, tu me dis rien. Ok. Tu commences déjà à sourire, on va essayer de lire dans tes pensées, ok ? Ça me fait un petit peu peur. N'aie pas peur. Ok. Si j'y arrive, là, tu pourras avoir peur. Alors, attention. Juste, la première lettre, pense-y. Je vais dire l'alphabet, et dès que j'ai dit ta lettre, tu me dis stop, ok ? Dans ta tête, dans ta tête. Ok. Tu dis rien. A, B, C, oh là, ok. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. Ok, ok, c'est soit A, soit B, la première lettre. A, B, A. Ok, je dirais que c'est un A. Mais je peux ne pas te regarder. Si tu veux, on va essayer d'aller plus loin. Par contre, je veux que tu me donnes une de tes mains. Donne-moi une de tes mains. Je transpire. Ok, juste pense aux autres lettres dans ta tête, au mot en entier. Juste au mot en entier. Ok, on va essayer ça. Non, là, c'est une blague. Non, 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 c'est trop. Après, bizarre. Est-ce que c'était ton mot ? Oui, oui, oui. C'est oui, ça, oui, c'est oui, ça ? Oui. Waouh, bravo ! Non, 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 c'était pas prévu. Hein. C'était... Ah non, non, t'es pas complice. Non. Ah non, non, qu'on non, se non, le dise quand non. même. C'est pour ça que je suis choquée, là. Ok, est-ce que tu peux passer ton micro à Estelle ? Ouais, ouais, ouais. On va essayer d'aller plus loin. Estelle, c'est ce que tu veux bien venir. On peut l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Salut. On va réessayer l'expérience avec toi aussi. Voir si je peux lire dans tes pensées. Ok. Pareil, tu vas me dire stop où tu veux. Stop. Ici ou ailleurs ? Ici. Ok, tu regardes le premier mot ? Ok. Je vous le montre aussi. Si je le montre à la caméra, ça ne va pas le faire parce qu'on va dire que je triche. Hop, tiens, je te laisse la page comme ça, tu pourras le montrer à la caméra après pour bien montrer que c'était vrai. T'as la première lettre ? Ouais. Ok. C'est soit un H, un L, un P. Je vais prendre un risque. Je dirais un L. C'est ça. C'est ça ? Ok. Donne-moi ta main, s'il te plaît. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, la deuxième lettre. I, J, K, L, M, N, O, P, O, P, O. Un O, ok. Ok. Je dirais que c'est ça. Boom. Mais non, si c'est ça. C'est loin ? Mais ouais. Oui. Oh, merci. On peut l'applaudir aussi. On va aller plus loin parce que je vais avoir besoin de vous. Donc sortez vos portables. D'accord ? Préparez-vous à aller sur Internet parce que je vais avoir besoin de vous pour la révélation. Je vais prendre ton micro, tu peux aller te rasseoir, je te remercie beaucoup. Alors, je vais demander de te lever. Ouais. De te lever et de te lever, toutes les trois. On peut les applaudir ? Musique, s'il vous plaît, musique. Bien, Clara. Et ça s'arrête maintenant, tu peux te rasseoir, Clara.
carrément bloqué. La pauvre a été toujours en état d'hypnose. Clara, tu peux te rasseoir. C'est bon, c'est bon, c'est fini. Ok, les filles. Je vais essayer de lire dans votre pensée. Vous allez prendre deux mots pour trois, d'accord ? Et je vais essayer de les découvrir un par un. Je vais me compliquer la tâche, là. Pour ça, vous allez prendre le livre et l'ouvrir où vous voulez. Vous allez prendre un mot assez grand, de plus de trois syllabes. Là, vous l'ouvrez où vous voulez, n'importe où dans la page. Et un mot de plus de trois syllabes. Deux mots de plus de trois syllabes. Prenez des mots assez grands. Et vous dites rien. Juste, vous le montrez sur la page. Un mot assez long, de plus de trois syllabes. Et on va voir si je vais y arriver. Je vais avoir besoin de vous parce que c'est vous qui allez trouver le mot. C'est bon, les filles ? Vous avez deux mots ? Ok. Ok, ok. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de deviner le premier mot. Tu essaies d'avoir le premier mot en tête. Je vais essayer de deviner la première lettre. Et je vais même écrire pour vous deux les premières lettres. Ok. Pensez aux deux mots, juste les premières lettres. Répétez juste les premières lettres. Ok. Les deux. Pensez aux deux et tu répètes juste les deux premières lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, pour moi, elle commence pareil. C'était quoi la première lettre ? La première lettre de mon mot ? M. M, ok. Et toi ? M, ah mais attends, j'ai pas compris. Le deuxième mot ? R. Ok, bon. Je suis désolé, là, je me suis trompé, j'ai écrit un L. Attendez. Non, 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 je sais pourquoi. Parce que tout le monde va aller sur ledico.org, ledico.org, vous faites là un slash, allez-y, prenez votre portable, allez sur ledico.org/, et vous allez mettre un code, vous allez mettre 2106, une fois que vous êtes sur 2106, une fois qu'il y a quelqu'un qui l'a devant surtout, vous levez la main, je vous passe le micro et vous me dites si vous y êtes. Donc ledico.org/2106, ok, tu regardes la troisième définition, d'accord, tu as plusieurs définitions, tu regardes la troisième définition, c'est ce qui est écrit en gras, tu regardes la troisième, une fois que tu l'as, le micro, merci, une fois que tu l'as, troisième définition, c'est bon, j'arrive, tu peux le dire dans le micro s'il te plaît. Qui annonce ou qui cause du malheur. Alors, troisième définition, regarde, là c'est la première définition, deuxième, ok. Alors, première, excuse-moi, il faut que tu annonces le mot en haut. Troisième. Malencontreux. Malencontreux. Ça vous dit quelque chose, malencontreux, les filles ? Non, mais est-ce que c'est ça ? C'est malencontreux ? Non, c'est la première lettre. Ah non, mais pas du tout. Écoute, on est mauvaise, on sait pas faire ça, nous. On comprend pas ce que tu dis. Est-ce que votre mot est malencontreux ? Non, ça commençait par un M, mais c'est pas malencontreux. Non, moi, je pensais à malencontreux. Toi, tu pensais à malencontreux ? Donc toi, tu as rien compris. En fait, vous avez dit madame, j'ai dit, bon, ça a marché avec Marwa, on peut applaudir Marwa, s'il vous plaît. Merci. Ok, ok. Je vais laisser une autre chance à quelqu'un d'autre d'y arriver. Vous allez encore sur ledico.org. Cette fois-ci, vous allez taper autre chose. Allez, le dernier pour la route. On va voir ce que ça donne avec vous. Si j'écris ledico.org, 17, 4, 29. Ledico.org, 17, 89. C'est dingue, hein, si je connais par cœur le site internet, je connais les mots burger, ça serait dingue. Quelqu'un là, tu vas à la huitième définition, ledico.org/1789, la huitième. C'est le deuxième mot que je vous demande là. Hein. Ah. Respectueusement. Mais non ! Elle a réussi à trouver votre mot, on peut l'applaudir, une nouvelle mentaliste, bravo ! Bravo les filles, vous pouvez vous asseoir, on peut les applaudir bien fort, merci à elles, merci. Je fais un dernier petit truc avec vous d'hypnose, une dernière fois, avec Clara et Tatiana, une dernière petite chose, et après je vous laisse, si vous avez des questions, si vous voulez leur parler à vos abonnés. Tiens, tu peux me tenir ça ? Ok les filles, regarde-moi tout simplement, tu suis mes doigts tout simplement encore et tu dors maintenant, dors. Complètement détendu, tu tiens en équilibre sur tes deux jambes, en équilibre tout simplement.
Pareil pour toi, tu suis mes doigts. Tu suis, tu dors maintenant. Dors, complètement détendu sur tes deux jambes. Super les filles, très bien, vous êtes détendues. Dans un instant, quand vous allez vous réveiller, dès que vous allez entendre le mot top, vous allez être mort de rire. Vous n'allez pas vous empêcher de rigoler. Même quand là, je le dis maintenant, top, vous commencez à rigoler. Vous êtes pris d'un rire et ça monte encore et encore. Et quand je dirai stop, ça s'arrête automatiquement. Vous êtes comme bloqué. Mais quand je dis top, vous repartez en rire, tout simplement. 1, 2, 3, réveillez-vous maintenant. Super, complètement décontracté. Est-ce que tu veux dire un mot à tes abonnés? Ils te regardent. Coucou. Top. Quoi? Non, ça me fait rire. Top encore. Qu'est-ce qu'il y a, Clara? Top, ça accentue encore et encore. Je comprends pas pourquoi je rigole. Tu sais pas? Non, stop. Tu passes le micro? Top. Il sait ce quoi? Hein? Et maintenant, derrière, tes mains restent collées sur le micro, tout simplement. Il est impossible pour toi de décoller ta main. Donne le micro. Et ça colle encore et encore, de plus en plus. Regarde, de plus en plus, de mieux en mieux. Et ça s'arrête maintenant. Maintenant, je vais les réveiller, je vais les sortir de cet état hypnotique. Les filles, vous allez me regarder tout simplement. Regardez-moi. Je vais décompter à 3 jusqu'à 0 à 0. Vous serez présentes ici, en pleine forme avec la patate. Vous sentez tous vos muscles reprendre le contrôle de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, Vous pouvez bouger vos mains, vos pieds. 2, inspirez maintenant, sentez tout cet oxygène, oxygénez tout votre corps, vous donnez la pêche, la joie. 1, et vous êtes en pleine forme, on peut vous applaudir bien fort. Maintenant, vous êtes réveillés en pleine forme, bravo. Merci à vous les filles. Merci. Je vous laisse donc avec vos abonnés. Je laisse revenir mon cher ami. J'aimerais qu'on fasse du bruit, s'il vous plaît, pour Midi Illusion. On peut l'applaudir bien fort. Midi, est-ce que t'as une page Facebook ou un Twitter ou un Snapchat pour qu'on puisse suivre tes actualités? Bah alors, j'ai une page Facebook, un YouTube, c'est Midi Illusion. D'accord. M-E-H-D-I-L-L-U-S-I-O-N. Ok. Et j'hypnotise n'importe qui dans la rue, je fais du mentalisme avec n'importe qui aussi. C'est d'accord. Un réel plaisir de partager ça avec vous. Ok, très bien, bah super, un peu la plaisir bien fort. Hein. Merci. Franchement, t'as assuré. Bravo à merci. Toi. Merci. Bravo. Alors, est-ce qu'il bon, y a des filles, personnes qui veulent poser des questions à vos youtubeuses préférées? Là, est-ce qu'il y a des questions? Bah, voilà, on va entamer la foire aux questions, tac, tac. Qui a des questions? Là, mademoiselle, t'as une question? Ok, attention, j'arrive. Attends, je saute. Voilà, très bien. C'est comment ton prénom, mademoiselle? Lucie. Et t'as une question à poser à qui? À Clara. Okay. Je lui ai demandé si elle veut bien nous chanter une chanson. Une chanson. Alors, Clara, tu veux bien nous chanter une chanson? Vous connaissez la chanson avec Corentin? Alors, on la chante ensemble. Hein. On fait le refrain? Ok? Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut mettre la musique en même temps ou pas? Ah, je crois que ça va être compliqué. Non, on n'a pas prévu la musique. Okay, malheureusement. Ok, pas de soucis. On a cappella. Ah, vous chantez aussi, hein? Oui. 1, 2, 3. 'Cause everybody only wants to fall in love, so do you want me? Honey, I'm looking for your soul. 'Cause everybody only wants to fall in love, so do you want me? Honey, give me your love. Yeah. La classe. D'autres personnes qui ont des questions? Ah, une question là-bas, une question, mademoiselle. Je viens te voir, vas-y, pose-moi ta question. J'aimerais savoir si Gloria peut faire une petite danse. Ouais. Gloria, 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 Gloria. Ah ouais. Ah, ce serait cool, ouais. Danser avec moi. Tu veux... Nous, on fait le ney-ney tous ensemble. Ouais. Ça serait bien qu'on mette, ouais, une petite musique. Je sais pas si on peut nous trouver ça en régie. Une petite musique qui bouge bien. Et comme ça, Gloria, tu veux une musique comment? Tu veux... La chanson Watch Me Nine. Ah, je sais pas si on va avoir ça. C'est bon si on a une autre musique, n'importe laquelle. Par exemple, Et alors? Ouais, ça te va? Ouais. On va essayer de trouver une musique. On te trouve une musique.
La musique, elle arrive dans 1h40. Hein, t'inquiète pas. Okay. Elle arrive tout de suite, la musique. Ça arrive. Et dès qu'on a la musique, voilà, on va me donner le top. On me donnera le top. Et en attendant, on va poser une autre question, non? En attendant, une autre question. Tiens, mademoiselle, vas-y. Moi, c'est pour Clara. Quelle sera ta prochaine vidéo? Pour moi? Quelle sera ta prochaine vidéo? Je sais pas. soit le vlog de la Get Beauty, soit une autre vidéo. Mais je vais pas dire le titre. Merci. Ok, très bien. Ah, une question par ici. C'est pour Gloria et Estelle, pour savoir s'ils vont intégrer d'autres gens dans la WSOM TV. Ouais, si on va inviter des gens à WSOM TV? Oui. Oui, il y aura des guests. Yes. D'autres questions par là, par là? Tiens, mademoiselle, vas-y, pose-moi ta question. Est-ce que je peux faire un câlin à Clara Chanel? Ah, bah faudra, tu pourras le faire tout à l'heure. Tout à l'heure, je crois que ça sera... Attends, Clara, ce sera à 16h30, au Meetup Vert. Tu pourras lui faire un gros câlin, d'accord? Tu pourras même prendre des photos et plein de trucs, d'accord? Qui a des questions, des vraies questions, une vraie question, une bonne question? Là-bas, alors attendez, je vais venir vous voir. Des bonnes questions, hein, les copains. Hop là, tiens, mademoiselle, vas-y, donne-moi une question, dis-moi une question. C'est comment ton prénom d'ailleurs? Ixia. Pour Marwa, c'est qui ta chanteuse préférée? Marwa. Hey girl. Ça? Sia. Yes, Sia c'est. Wow, no way she, for no one away more, no one away more. D'accord, très bien, Sia, là c'est une question. Vas-y, mademoiselle. You already know it. Hey, on a une musique, attention, mesdames, messieurs, Gloria. Salita. Salita. Merci en régie, vous êtes au top. Vas-y, allez. Watch me whip. Kill it. Now watch me nae nae. Okay. Now watch me whip. Watch me nae nae. Now watch me whip. La classe. Allez, continue. Hey, moi, ce que je vous propose, c'est que toutes les youtubeuses dansent. Allez, allez, toutes les youtubeuses. Allez, 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 allez. Allez, ooh, allez, okay. Allez, ooh, okay. Allez, 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 il vous attend vos fans, allez, ooh, allez, watch allez, me, c'est parti. Yeah. Okay. Allez, on les encourage. Stank, stank, do the 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 stank, now break your legs, break them. Break your legs, break the tell them break your legs, break 'em. Break your legs, break the knot and break your legs, break 'em. Break your legs, break the knot and break your legs. La classe, on fait les applaudir bien fort. Now I need bop, bravo. Bravo à elle. Ah, alors, attends, la question, elle était ici. Excuse-moi, mademoiselle, hein, on était en train de danser, d'accord? On était en train de se faire un petit kiff de danser. C'est comment ton prénom? Azela. Et tu as quel âge? J'ai 11 ans. Et tu viens d'où? De... Merci. D'accord, très bien. Tu as une question à poser à qui? À Gloria. D'accord, vas-y, tu peux lui poser. Quelle est ta marque de maquillage préférée? Je dirais Bobbi Brown ou MAC. Mais Kiko aussi, j'aime beaucoup. C'est bien. Ah, jeune homme, c'est comment ton prénom? Noir. Comment? À Noir. D'accord, très bien, tu as quel âge? 12. 12? 12, t'es pas sûr sur ton âge toi aussi, hein? 12 ans, d'accord, très bien. Et tu as une question à poser à qui? À Gloria. À Gloria? À Gloria, il a une question à poser à Gloria. D'accord, vas-y, pose ta question. Merci. Non. Est-ce que je peux faire un musicali avec toi tout de oui. suite? Ah, venez, on fait un musicali. Attends, genre... Un musicali. Attendez. Alors, on va faire un musicali. Je choisis la musique. Hein. Alors, on va choisir la musique de ce musicali. La musique, elle arrive. On va faire un truc simple. Je sais pas si vous connaissez cette musique. Ok. C'est bon? Ah, ça m'a fait peur la voix. Ouais, grave. On le fait? Ok. Bah venez, on le fait tous ensemble. Allez, on le fait tous ensemble. C'est quoi la musique? Mets-le près du micro, la musique.
je vais juste bouger le téléphone et tout le monde lèvera les mains, genre en mode... Voilà, on lève les mains, d'accord? Attention. Tu veux peut-être que je te prenne ton téléphone, Gloria? Ouais, ça serait bien, s'il te plaît. Ouais, je vais servir un peu à quelque chose, hein. Alors, donc comment je fais? Je fais quoi? Je mets la musique ou en comment? En fait, tu nous prends, nous, on va faire X, tu vois, genre cut. D'accord. Cut. Je vous prends tous les... Ouais, et après, tu, en fait, tu tourneras le téléphone sur... Ok. Attention, on y va dans 3, 2, 1... Et maintenant, tu le montres. La classe, la classe. Très bien. Une autre question, une vraie question, mademoiselle. Tu as une vraie question? Tu as une bonne question? C'est comment ton prénom? Adriana. Ok, Adriana. Tu as une question à poser à qui? À Clara. Clara, ok, très bien. Pose-lui ta question. Quelle est ta chanteuse préférée? Alors, Clara, quelle est ta chanteuse préférée? J'en ai pas, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop, ouais. Une chanteuse en particulier? Selena Gomez. Selena Gomez? Ah ouais. La classe, très bien. Une question ici, mademoiselle? Monsieur, jeune homme, vas-y. C'est une question pour Gloria. Est-ce qu'elle a eu peur quand elle s'est fait deviner son cerveau, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur Asomnes TV? J'ai pas compris. Quand elle s'est fait hypnotiser sur Asomnes TV, oui. Est-ce qu'elle a eu peur? Oui, j'ai vraiment eu peur, vraiment. Vraiment. D'accord. Ah, t'as un cadeau pour elle? Ok, bah, je lui donnerai, je vais lui donner tout à l'heure. Très bien. Une autre question par ici? C'est pour Laure et Anna. Est-ce que vous pouvez nous faire une imitation? Bah, de quoi? Bah, je sais pas, une imitation. Est-ce que vous voulez une imitation? Ok, alors on va... Non, ça vous dit, on imite une youtubeuse qui est pas forcément sur la scène et vous devez deviner qui c'est. Toi, t'en fais une, j'en fais une autre, ok? Non. Elle est pas... Non. On va s'engueuler sur scène. Ah oui, mais on fait notre clash. Non. Non. L'imitation. Mais non, on va pas imiter un duo, on va juste imiter une youtubeuse. D'accord. Tu commences? Youtubeuse sur scène et vous devinez qui on fait. Ça va? Alors moi, ma passion, c'est l'astronomie. D'ailleurs, j'ai deux tatouages. La classe. Allez, une dernière imitation. Une petite imitation. Salut mes chats, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui... Non. Hey. Ah, c'était Chloé B, merci. La classe. Donc Clara, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà. Très bien. Une autre question par ici, je vais aller par là. Je vais aller par là, j'ai pas été par là. Tac, tac, tac. Ah, t'as une question, toi? Ok. Alors, t'as vu, toi, t'es carrément... Alors, vous avez vu, hein, cette demoiselle, elle a carrément un fauteuil, elle est installée tranquillement, la classe. Et ça, c'est la classe. Alors, tu as une question pour qui? Pour tout le monde. Ça fait quoi de voir ses abonnés en vrai? Bah, répondez. Allô. On se calme. On m'entend? Alors, ça fait quoi de voir tous ses abonnés? Oui. Ah. Ouais, on t'entend. On fait tourner le micro. Bah, moi, je trouve ça ouf, en fait. Ça me fait tellement plaisir de voir qu'il y a tellement de gens, en fait, qui nous suivent. Et c'est juste incroyable. Donc, merci énormément pour tout ça, parce que c'est que de l'amour et ça me fait tellement plaisir. Merci. Bonne question. D'autres personnes? Ah, ici, mademoiselle, vas-y, pose-moi ta question. C'est comment ton prénom? Lily. Et moi, j'ai une question pour Anna et Laure. Est-ce que vous allez refaire une vidéo ensemble? Yes! Bien sûr! Quand vous voulez. Merci. Très bien. Ah, mademoiselle, tiens. Mademoiselle, venez. Mademoiselle, elle a classe tes lunettes YouTube. Ça, c'est la classe. Elle est sympa, j'aime beaucoup. C'est comment ton prénom? Sophia. Sophia, tu as une question à poser à qui? À Clara Chanel. Clara, ok, très bien, pose ta question. Quelle est la pire chose que tu aies faite dans ta vie?
Je sais pas. D'accord. Non, je vous jure, il n'y a rien qui me vient en tête. Bah après, c'est les petites conneries genre habituelles, genre... On va garder ça privé. Tu veux garder ça privé? Allez, on veut savoir. Allez. Non, mais j'ai rien qui me vient en tête, mais enfin toutes les conneries que après, genre mes parents se tapent, enfin subissent. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Une question par ici, mademoiselle. C'est pour Marwa. Qu'est-ce que tu comptes faire après la prépa et ce sera quand ton prochain meet-up? Alors après la prépa, je me demande encore en fait. En fait, je pense intégrer une école et continuer YouTube. La vie, vive la vie que j'ai encore en fait. Voilà. Très bien. Ah, alors, on a une question de. C'est comment ton prénom ? Lana. Lana. Alors, Lana, pose-moi ta question. C'est pour Estelle. D'où elle t'est venue cette passion pour l'astronomie ? Alors, cette passion, c'est grâce à mon grand-père. À mes 8 ans, il m'avait offert des livres d'astronomie. Et depuis ce jour-là, j'ai adoré, j'ai dévoré tous les livres possibles de l'astronomie. Et je trouve ça fascinant, en fait, parce que c'est pas une passion qu'on peut toucher. Mais au final, c'est tellement beau et on devrait voir plus le ciel. Tout le temps le regarder parce que c'est vraiment, vraiment très beau et mystérieux. Voilà. Alors, on a une question de Nina. Nina. Oui, c'était pour Laure, Chloé et Anna. C'était pour savoir si du coup elles feraient un meet-up à Lyon parce qu'elles en avaient parlé. Et... Oui, enfin, c'est toujours prévu, mais c'est un peu compliqué pour organiser les meet-up. Comment ? On verra peut-être pour cet été si c'est possible. Ou à Marseille, ou je sais pas. On verra. Mais en tout cas, ce serait trop cool et on aimerait trop. Merci. Alors, on a Tiffany. Tiffany. Tiffany, pardon. Tiffany. Très bien. Très joli prénom, Tiffany. J'aime bien. J'aime bien. Clara Chanel, est-ce que tu peux nous chanter une chanson a cappella ? A cappella. Ouais. En a cappella ou en a cappucos ? En a cappella ? Ok, on va faire du Justin Bieber, hein, la base. Un refrain, tu veux un refrain ? Ou juste un refrain. Un refrain de Justin Bieber ? Ça te va ? Vous chantez avec moi, comme ça je suis pas toute seule. C'est bon ? Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Voilà. Alors, on a une question de Zoé. Zoé. C'est pour Anna et Laure. C'est quoi la plus grosse bêtise que vous avez faite ensemble? La plus grosse bêtise. Elles sont en train de se consulter. Visiblement, elles font beaucoup de bêtises. Alors, avec Anna, on aime bien sortir le soir. Et en fait, c'est pas vraiment moi, parce que moi, je suis super sage, mais Anna, elle aime bien perdre ses clés, oublier son ordi à l'hôtel, perdre son portable, perdre sa carte de crédit, voilà, des trucs comme ça. Et sinon, on peut pas trop dire, parce qu'on n'a pas envie de vous choquer ou autre. Voilà. Très bien. Allez, une question ici, là, mademoiselle. Yasmine, c'est pour Gloria. Quel est le plus beau jour de ta vie ? Aujourd'hui. ouais, non, en vrai. Je sais pas. Quand je suis née. Enfin, je sais pas. C'est pas mal, ça. Alors, on va aller par là, par là. Là, je suis déjà venue. Je suis déjà venue par là, là. Là, je suis pas venue, là, là. Là, ici, tiens, mademoiselle, vas-y, pose-moi ta question, mademoiselle, vas-y. C'était pour Marwa et Anna. Comme vous êtes des adeptes des playlists, je voudrais savoir si vous allez un jour faire une vidéo ensemble. Très bonne question. Très bonne question. Bah, vu que j'habite à Nice et qu'elle habite à Lyon, tiens, c'est quoi, je t'invite chez moi et on fait une playlist. Ok. Yes, c'est fait, c'est fait. Mademoiselle. Moi, je voulais savoir, Clara, c'est quoi ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve. Ouh, j'en ai plein. Ce serait de vivre de ma passion, d'être plus tard, genre d'avoir tout ce qu'il me faut, tout ce qu'il faut pour ma famille, enfin tout le blabla, mais genre c'est ce qu'il faut vraiment quoi. Merci.
Très bien. D'autres questions par ici? Vas-y, mademoiselle, je vais venir te voir. Alors, attends, je monte. Ah bah tiens, mademoiselle, d'abord. Tu as quel âge? 10 ans. 10 ans, d'accord. Tu pouvais poser une question à qui? À Gloria. Quelle est sa plus grande passion à part YouTube? J'aimais beaucoup le basket. Bah, du coup, je vais dire le basket. D'accord. Très bien. Allez, ici, ce sont les dernières questions. Je m'appelle Paola, c'est pour Clara. C'était pour savoir si tu peux chanter Give Me Your Love a cappella ou quoi. Apparemment, si tu pouvais chanter Give Me Love. On l'a déjà fait tout à l'heure. Mais quelqu'un a pas une question pour Tatiana? La pauvre, elle a pas eu de question depuis le début. Ouais, une question pour Tatiana. Une question. Toi, t'en as une? Très bien. Viens, 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 mademoiselle. Vas-y, viens, viens, viens. Viens. Je voulais savoir, quelles sont tes idoles au niveau vestimentaire? De qui tu t'inspires pour t'habiller? Plutôt de chanteuses comme Zendaya Goldman, je ne sais pas si vous la connaissez, et Selena Gomez aussi. Et je ne sais pas, vous, après... Personne? Non, c'est tout. Très bien. Allez, une autre question aussi. Pour Estelle, ta série du moment? Alors, ma série du moment, je l'ai découvert il y a une semaine, ça s'appelle Lost Girl. C'est c'est un truc fantastique avec des fées et il y a plein d'histoires et c'est trop bien. Donc, je vous conseille de regarder cette série Lost Girl. Voilà, petite pub. T'as été payée. Allez, dernière question pour mademoiselle, dernière question. Pour Tatiana, ta destination préférée où tu voudras aller? J'aimerais vraiment aller à Hawaï parce que je suis jamais allée en Amérique et Hawaï, je trouve ça trop trop beau, donc j'aimerais trop y aller. Voilà, parce qu'il fait beau, il fait chaud, c'est cool. Et voilà, ça y est, c'est déjà la fin de cette fac. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Gloria au meet-up à 17h, donc meet-up bleu. Vous pouvez retrouver Chloé B au stand énergie à 17h, Clara Chanel au meet-up vert à 16h30.